Qu'est-ce que... What? Mais comment tu veux que je me déguise alors que je suis énorme? Je suis devenu tout fin. C'est même pas que je me déguise là. Lance, on est chaud. Donc mise à jour de 2 gigas, hein. De 10 gigas, c'était absolument trop long. Enfin là ça se lance, ça y est. Putain les gars, ça fait je sais plus combien de temps on n'a pas eu de saison. Ok, let's go, Battle Royale. Cet écran de chargement qui nous en dit pas trop, il nous donne les skins du pass, mais il y a une cinématique. What the fuck? Attends! Eh, j'ai vu Deadpool encore! Hein. C'est des agents secrets, ok. C'est classe! Hein. Eh, c'est classe! Putain! Nous vous attendions avec impatience. Voici votre planque. Achetez ça, c'est le pass de combat, on l'a vu tout à l'heure. Pour recruter ce groupe d'agents. Miaouskley, ce félin colossal n'est pas toujours une bonne patte. Midas, un génie qui a de l'or dans les mains. Maya, une spécialiste que vous pouvez entièrement personnaliser. Et plus encore. Eh, ça a l'air trop bien la saison. Pendant la saison, accomplissez des missions pour gagner une variante inédite de vos agents du pass de combat. Fantôme ou ombre, choisissez judicieusement. Vous participerez également à des opérations temporaires qui changeront le destin de l'île pour toujours. Mais what the fuck ? Votre futur commence en achetant le pass de combat. Recevez votre groupe d'agents, 1500 V-Box et de tous nouveaux objets. Le futur est entre vos mains. Nous savons que vous ferez les bons choix. Bonne chance. Eh hey, mais... Fortnite. Oh, cool. Trop stylé. Hein? Hein? What the... Qu'est-ce que... Hein? Comment on achète? Bientôt disponible, ok. Ah ok, passe de... Ah ouais. Ah ouais, là c'est chaud par contre. Attendez, parce que là je vois qu'il y a un skin, là c'est quoi? Passe de... Ah bah c'est le passe de combat, ok. Bon, le passe de combat. J'ai vu les skins, on va l'acheter, c'est certain. Donc le pass, hein, c'est un achat. On va regarder un peu plus détail, en détail, je veux dire. Non, vous savez quoi, on regardera après. Ça a l'air extrêmement classe, l'animation et tout, ok. Bref, ils ont enlevé l'onglet défi, il est en passe de combat maintenant, donc c'est trop stylé. T'es, moi, je vais aller m'acheter mes petits V-Bucks. Avec le code USK, hein, on n'oublie pas, si on achète des V-Bucks, le code USK. Le pass est ouf, il y a des nouveautés. En vrai, c'est cool. J'ai eu peur, mais on est sur du quelque chose de propre. On a les V-Bucks. Eh bah écoutez, boutique d'objets, passe de combat, acheter, confirmer l'achat. J'ai vérifié juste avant qu'il y avait bien le code USK, donc c'est bon. Passe de combat déverrouillé. Alors, ça c'est Maya. Ce skin a l'air extrêmement stylé. Celui-là, je vite fait, on s'en fout un peu, il y a toujours des bananes. Ok, ça je m'en fous un peu, je regarde vite fait. Hein. Bon, une musique, je l'ai désactivée, donc je sais pas à quoi elle ressemble, on verra plus tard. Ok, un planeur. Ah pas mal, j'aime bien. Alors lui, il est beaucoup trop gros, comme d'hab. Toujours des gros skins. C'est un planeur, ça? C'est un planeur! Oh là là. Oh là là. Hop. Donc le planeur. Le planeur, on l'équipe, évidemment. Pioche, non. Sac à dos. Non. Skin. Skin, on va jouer lui, mais bon. Voyons voir l'entièreté du pass, du coup. Ok, un écran de chargement, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un planeur. Une variante, des V-Bucks. Un sac à dos, je dirais. Pas mal. Une musique, je sais pas à quoi il ressemble. Une émote? Bah oui, quand même, la base. Un skin, du coup. Très stylé, je trouve. Très stylé, le skin.
Une petite pioche là, bien sympathique. Toute simple, j'aime bien. Ok. Ça, c'est quoi ça? Ok, une double pioche, basique. Ah, il y a une petite émote là. Ah, pas mal, pas mal. Le petit planeur, bon, il a pas l'air ouf, mais. Ah, si, ça. En vrai, je le pensais plus gros. Ça là, c'est quoi ça? Encore un skin. Bon, ça, on verra plus tard. Ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, ok. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal le pass pour l'instant. Oh, c'est quoi ça? J'avais pas vu ça. Ah, stylé. Il est trop beau. Ah, mais le pass là, il est pas mal. C'est quoi ça? Ah, bah. Ah, bah, je le voulais. Enfin, il existe pas, mais je le voulais quand même. Je voulais qu'il existe. C'est quoi ça? Ah, oui. Ok, ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, il y a pas mal d'émotes, hein. Et enfin, lui. Ah, lui, il est BG. Hein. Lui, il est BG. Ok. Bah écoutez, tape des défis. Regarde. Pardon. Atterrir au phare. Hein, oula, oulala. Sinon, je vois rien d'autre de nouveau à part le code créateur ISK juste ici. En tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très bien. Ça me va. Mais il est énorme, j'ai jamais vu un skin aussi gros. MDR. Oh, les émotes! Ok, il y a des nouvelles zones. Bon, ils m'ont demandé d'atterrir au phare. Donc... Mais non, on est au-dessus! Oh, c'est trop classe! Ah, ça, je m'y attendais pas. Alors, ça. Ah! Oui. Bah, c'est trop classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas s'ils passent par la porte. Ah, ils ont agrandi les portes exprès. C'est quoi ça? Carton? Ah! Mais en plus, je lag trop. Défi Deadpool. On va essayer de découvrir un peu les nouvelles zones du coup. Il y a une zone là. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, le skin est vraiment trop gros. Eh, c'est un truc de ouf. Par contre, c'est à moitié traduit. Comment ils ont pu se fail? C'est à moitié en anglais. Je sais pas comment ils ont pu. Ils ont à moitié traduit. Je sais pas. Il y a la moitié, c'est en anglais. Enfin bref. On va aller découvrir la nouvelle zone. Ça a l'air d'être un truc un peu. Une petite villa quoi, une petite villa de luxe. Par contre, meilleur planeur, hein, vraiment. Oh, il est trop stylé. Il est trop stylé le planeur, mec. Attends, il y a un mec là. Il y a 100%, il y a des gardes du corps. Maintenant qu'ils savent faire des bottes et tout. Ah ouais. Ah ouais. Code rouge. Faut le tuer. Ami KO. Pourquoi je peux plus ouvrir? Oh non, dommage. Wesh, par contre, c'est quoi ça? On va aller aux autres endroits, aux autres nouveaux endroits du coup. Par contre, je comprends pas tout ce qui se passe. Hein. Il y a des gardes du corps et tout, genre. C'est stylé. Franchement, c'est stylé parce qu'il y a enfin des nouveautés. Ah là là là. Donc, le requin, ça s'appelle. Ok, intéressant. On va aller découvrir l'île du Middle. Et après, les deux prochaines games, les deux derniers endroits. Et puis, on sera bon tout simplement pour découvrir les nouveaux lieux. En tout cas, il y a des nouveaux lieux. Et ça, j'avoue, j'avais peur qu'il n'y ait pas de nouveaux lieux. En tout cas, la saison, je suis bien content. Ils ont réussi à faire un truc propre. J'avoue, j'aurais pas acheté le pass, j'aurais pas joué si c'était pas ouf. Mais du coup, c'est ouf, donc ça va. Éliminer des joueurs en ayant au moins 100 PV. Bah, c'est facile ça. Hein? Ah, ça a changé mes touches. Ah non, c'est bon. Mais si. Mais elle marche pas la course auto. C'est quoi l'arnaque? J'appuie sur course auto, ça course pas auto. Oh, ça a l'air d'être beau ça. Ça a l'air d'être encore une villa de luxe. Y'a pas un genre de guerre de gang un peu? Mais si, elle remarche la course auto. Parce qu'il y a des villas un peu avec des gardes du corps et tout, comme s'il y avait une petite guerre de gang, tu vois. Bref, en tout cas, c'est vachement stylé. Surtout mon planeur. Par contre, y'a encore des gardes du corps avec des snipers, mec. J'avoue, ça me. Waouh. Ça va être extrêmement stylé la saison. Je peux vous le dire. Hein? Qu'est-ce que. Mais comment tu veux que je me déguise alors que je suis énorme? Je suis devenu tout fin. C'est même pas que je me déguise là. Oh, je lag. Qu'est-ce que c'est? Non. Oh, ils l'ont remis. Ma petite arme chérie. Oh yes, je l'aimais cette arme. En plus, ils l'ont mis en bleu.
Mais il y a du C4 et tout. Il y a enfin plein de nouvelles armes, les gars. Fortnite, ça redevient Fortnite. Ok, bon, bah la saison, elle est 10 fois mieux que la saison précédente. Hein. Il y a une chambre forte. Ah, pardon, je m'en vais. Mais what? Il y a la Thompson, mais c'est une arme mythique. Il y a plein de nouvelles armes. En fait, c'est génial. Ah, mais non, c'est le nouveau lieu qu'on avait vu sur les teasers un peu, avec des grues et tout. Toujours dans les mêmes esprits, un peu gang, agent secret, tu vois. Oh, c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est peut-être ça, parce que la villa des skieurs, c'est peut-être ça. Le Mont Kai, je crois qu'il est par là. Hein. Ou là, peut-être, enfin, je sais pas. En tout cas, ça, c'est peut-être la villa des je sais pas quoi. Par contre, mon planeur, je vais le jouer toute ma vie. Il est trop bien. Il est trop classe, le planeur. Ah là là. Il fait du surf et tout. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, je suis impatient de voir le planeur du top 1. Ça sera hors stream parce que là ça lag beaucoup trop, mais. C'est quoi ça? Ah, cool. Oh yo yo yo. Vas-y, tue-le, vas-y. Oh yo yo yo. Hop là. Non. Il y a des tourelles. Bon bah, il y a des tourelles du coup. Et c'est dangereux d'atterrir ici, hein, il se passe plein de trucs chelous. Du coup voilà, on va se laisser là pour cette petite découverte de la saison 2. Je ferai sûrement d'autres vidéos, d'autres lives. J'espère que à vous elle vous plaît. On n'oublie pas le code créateur SK si vous voulez acheter le pass de combat. Évidemment, on se retrouve très bientôt quoi.